gouvernement, je vous dis, a mobilisé. Et nous allons aller au département sud-est, nous allons aller au Côte de Fait. Et enfin, dans le Côte de Fait, nous allons aller au Gris-Gris. Nous allons aller à la section communale Gris-Gris pour que nous allons inaugurer le lycée Gris-Gris avec un laboratoire informatique pour que nous allons inaugurer. Et le gouvernement là, qui est demain dans le Côte de Fait, libéral vraiment libéral montrer une proximité avec besoin de la population. Donc demain, il y a un caoutchouc qui va prendre la parole. Il y a ferronnier qui va prendre la parole, pêcheur, donc production cisale. Donc c'est une opportunité encore une fois pour nous regarder et besoin de la population, pour nous satisfaire un peu de besoin de ça. Nous prenons que Côte de Fait son pôle touristique important que nous pouvons aller dans le pays d'Haïti, parce que c'est un projet énorme. Et de, que le secteur privé a lui-même l'a fait, qu'on peut investir sur l'étranger, qui lui-même mobilisé pour investir dans le projet ça. Donc Côte de Fait, il y a de super plages et que nous pouvons mettre en valeur, que nous pouvons montrer nous. Et demain, nous pouvons montrer nous toute richesse culturelle que Côte de Fait gagne. Et nous connaissons que c'est Côte de Fait, c'est ville président Matéli. Donc le président dit lui-même que lui-même c'est le coordonnateur blanc. Donc, il va animer et débattre. Et le président lui-même mobilisé, le gouvernement mobilisé pour nous protéger, pour nous courir Côte de Fait dans de bonnes conditions. Bon plan spécial pour Côte de Fait que le ministre touriste va l'exposer demain. Donc, il va une belle journée pour que le Sud-Est a l'honneur et tout le monde Côte de Fait a l'honneur à partir de 1h30 demain pour arriver jusqu'à environ 7h du soir.